Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les pires copies d'élèves. Donc on va commencer tout de suite. La lampe grille, Axel voit-il encore le poisson rouge? Justifie. Bah oui, elle grille, mais elle marche encore. Entre parenthèses, il faut lui acheter ses chaussures MDR. Alors la prof a marqué en rouge, un peu d'humour ne fait pas de mal, merci beaucoup. D'accord, elle a tout le monde. L'exercice 3, j'ai les calculs dans ma tête. Je l'ai au bout de les. Je les ai au bout de la langue, mais ça ne veut pas sortir. Alors pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner les 4,2. L'exercice, plus encore quelques points. 10 points, me. Monsieur, alors là, désolé, mais la personne a écrit vraiment mal. Me suffisant, je vous remercie d'avance si vous faites ce geste. J'ai vos 4 points au bout de mon stylo, mais l'encre ne veut plus sortir. Ah, pas con ça. Non, là, on comprend rien du tout. Hein? Pensez à enlever votre doigt de la règle quand vous tracez un trait. Ouais, faut vraiment être con. Alors, qui était Molière? Donnez un exemple de la même époque. Molière était un peintre. Hein? Comme Victor Hugo. La prof a répondu, vous vous fichiez de ma gueule. Citez une de ses œuvres, la Joconde. Là, ça devient grave. Désolée, mais je vois pas très bien. En fait, c'est écrit en petit, du coup. Bon, là, c'est illisible. Pour un DM de maths. 8,5 sur 10. J'espère qu'il est bien payé, celui qui t'a fait ce travail. D'accord, mais tu lui as mis un 8,5 quand même. De toute façon, c'est lui qui l'a fait. En même temps, tu me diras. C'est quoi ça? Quelle est l'idée de donner un devoir à maison? Alors que c'est le meilleur truc pour tricher, en fait. C'est le meilleur truc. Bon, non, c'est incompréhensible aussi. Où se trouve l'Angleterre? L'Angleterre se trouve en Afrique? La prof, elle a répondu. La prochaine fois, tu apprendras mieux tes leçons. Ouais. Donne la définition des termes suivants. Un triangle rectangle. C'est un triangle qui a 3 côtés parallèles. Par contre, je crois sincèrement que ce gosse est totalement con. Totalement con. Con, con, con. Un con, con, quoi. Et on l'a déjà vu. Ouais, quoi, 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 quoi? On comprend rien. Ah, d'accord. L'autre volcan de ce même type est le Python de la Fournaise. La prof a répondu, bois des grosses chaleurs. Attends, je zoome un peu. Alors, il a eu un zéro. La force maximum que peut exercer. Mais. Ah, en fait, si je comprends bien, en fait, le truc là, le véhicule, il est tombé en panne. Et la personne se demande s'il y a combien de DAN pour le soulever en côte. Et là, la personne a répondu, oui, je pense que s'il fait de la musculation et qu'il est fixé au sol par une sangle, il peut maintenir le 4x4 en équilibre. Tu me diras, t'appelles la dépanneuse et puis voilà. Donc bah, je vais vous quitter. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vous me dites si bah, vous voulez un deuxième épisode. Et je vous ferai. Allez. Ciao.